Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour un nouveau test de matériel. Je vous propose d'écouter avec moi un émulateur de HP 100% analogique. Voilà, ça s'appelle le ILM de chez Palmer. Alors Palmer, c'est une marque allemande bien connue qui fait des émulateurs de HP et des loadbox depuis très longtemps. Le format en rack que vous voyez ici, là, le GA, je sais pas combien, voilà, GA04, il a été utilisé par pas mal de gens pendant toute une époque. Ce sont des produits qui datent un peu, mais qui fonctionnent encore toujours super bien, et surtout qui sont toujours au catalogue. Et donc, au mois de juin dernier, lors du NAMM, j'ai retrouvé à nouveau Richard Morgan, qui travaille chez Adam Hall, qui est le distributeur de cette marque allemande. Je l'ai retrouvé au NAMM. On a discuté et donc il m'a présenté certains produits de la gamme Palmer, et il y a un nouveau produit qui est sorti, qui est tout petit, voilà, qui est ici, il est un peu perdu au milieu de la page, je vais vous le montrer en plus gros. Ça s'appelle le River ILM, je sais pas trop ce que ça veut dire ILM, mais en tout cas ça permet de faire de l'émulation de haut-parleurs. Ça permet de vous faire une boîte de DI, et au niveau de l'émulation de haut-parleurs, vous pouvez l'utiliser de deux manières, ce qu'on va faire là dans quelques instants, soit branché en direct en sortie de votre ampli de guitare, ou alors vous pouvez aussi brancher votre un préampli, ou alors même une pédale, une simple pédale de distorsion ou de gain ou ce que vous voulez devant, et ensuite vous branchez ça directement dans votre console. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaineguitare.com.